Pasteur Mako mérite une leçon. Pasteur Mako mérite plus arrêter Pasteur Mako. Je tiens à nous venir pour nous dénoncer l'État pays d'Haïti qui est en complicité avec nos monsieur Kirele Mako. Je ne vais pas parler de pasteur, parce que un pasteur, c'est une lumière. Il y a un grand qui est passé, Kirele Platon. Platon dit qu'il comprend maintenant. L'homme qui vit dans le monde, il y a quelqu'un qui trouve le monde sensible. Et il y a un groupe qui trouve le monde intelligent. Le monde qui trouve le monde sensible, il dit qu'il y a ignorance, obscurité. Là, il parle de monde qui trouve le monde sensible, qui est ignorance, obscurité. Ça veut dire que c'est ce qui passe au pays d'Haïti. Ça veut dire que jusqu'à présent, là, Haïti, tout le monde qui vit dans le pays, c'est un groupe en majorité qui trouve le monde sensible. Ça veut dire que c'est un groupe n'importe qui qui fait un marché. N'importe qui moun ka fè ou kouri, ça veut dire pas gen lumière. Ça veut dire même si un groupe moun ki l'en fait, qui l'en fait noir. Donc on allait parler de un groupe moun ki ka vive le monde intelligible là. Non intelligible ouais intellect. Ça veut dire son groupe moun ki gen intelligence. Son groupe moun ki pas mal pour comprendre et son groupe moun tout qui développe le savoir. Son groupe moun comme si qui capable de réagir ou bien capable agir à n'importe quel moment. Ça veut dire pour l'instant nous même en Haïti nous trouvons nous dans sacré un monde sensible. Ça veut dire nous gen un groupe moun qui n'a pas à comprendre, qui n'a pas à réagir, qui n'a pas à agir. Mes amis, comment nous comprendre? Pour un monsieur qui est le pasteur Mako, comme c'est ça qu'il dit, il dit que c'est pasteur lié. Puis il prend un groupe de monde, puis il dit qu'il faut mener au groupe avec un bandit. Et tout le monde connaît pour que ça ait une proportionnalité. Si vous avez une manchette, faites une manchette. Si vous avez un feu, faites un feu. Là, longtemps, bon Dieu, tu as envoyé David Goumé. Dieu, ça, tu as fait ça qui est épais. David, pas de connaître. Il était petit taille devant Goliath, mais c'était avec épée, c'était avec couline, c'était avec manchette, c'était avec bâton. Mais aujourd'hui, il y a un groupe nek, la police n'a pas démantelé. Comment pasteur Mako a pris un groupe fidèle pour l'aller, pour dire démanteler avec petit couline, petit couteau. Mes amis, ça c'est une injustice. Côté l'État pays d'Haïti, si tout le monde veut Haïti que l'État, pasteur Mako doit arrêter pour être jugé comme criminel d'après la loi. Pasteur Mako, c'est un criminel. Pasteur Mako, c'est un assassin. Comment Pasteur Mako est capable de lever au 21e siècle un groupe bandit qui tue Squat, qui tue Udmo, qui tue même ministre Avini qui a mouru parce qu'il y a un Galil, il y a un âme de guerre. Comment un groupe pour petite manchette est capable de faire un groupe? Ça veut dire que devant la presse, que me dit oui, Haïti n'a pas gagné l'État. Parce que Haïti trouve lui sur un État, nous doit. Pas de droit qu'a fait en Haïti. Et ça, moi-même, comme je dis, moi-même, en la révolution, comme dans cet âge, 45e division pour sauver Haïti auprès de l'abîme, je ne sais pas si je dis ça. Haïti, c'est un État qui pague l'État. Haïti, c'est un pays qui peut administrer. Haïti, c'est un pays, tout le monde qui fait ça, vous voulez. Haïti, c'est un jeune, tout le monde qui a un couteau. Haïti, sous guerre civile. Haïti, c'est une guerre civile qui a fait. N'importe société qui vive une guerre civile, c'est parce que l'État va exister. C'est parce que la loi tombée. Si la loi existait, la guerre civile va être faite dans le pays. Si la loi existait, si c'était soleil et village de Dieu, ou bien tu l'as appelé ISO par rapport à l'existence. Je dis à demander en justice, je ne connais pas l'église côté de l'unité sociale. Mais si tout le monde dit, monsieur, c'est un pasteur, et que c'est le ministère des cultes, nous parlons seulement pour nous faire l'argent avec la communauté internationale, le ministère des cultes. Nous parlons seulement pour nous prendre l'argent, pour nous gagner, comme on dit, sa mission. C'est ça la mission, voyez l'argent pour nous exister. C'est ça l'État besoin de monde pour voyer. Représenter l'église pour nous là. Je dis à qui ça a fait avec monsieur Sabay pour pasteur Mako. Je dis à l'État, ministère de la Justice, commissaire du gouvernement, qui ça a fait avec Mako. Si pasteur Mako fait ça, nous pas faire rien, nous pas qu'il nous pour qu'il dise pour arrêter cela appli. Si pasteur Mako a fait ça, pas qu'il nous pour qu'il dise pour arrêter ISO. Parce que raison ça il fait, nous pas que ça fait, ça il fait là, ça ISO fait au plus mal. Parce que au contraire, c'est parce que pasteur yo pas responsabilité yo. C'est parce que l'État n'a pas pris ce qu'il s'habite. C'est parce que l'ISO. Parce que plusieurs fois, l'ISO réagit. C'est faiblesse de l'État. Ou bien l'ISO agit. C'est faiblesse de l'État qui fait l'ISO agir. Si tu as un État, si tu as un État de droit, si tu as une justice qui est fort, l'ISO va exister. L'ISO va prendre toute une société pour faire un cas de Jacques, pour faire un viol. Pas de monde qui dit un. Je dis à je ne vais pas dire plus gros cause. Je dis à je ne vais pas dire plus gros mot. Qui ça l'État a fait avec l'Église? Est-ce que nous calaguer l'Église? Pour l'église à torturer le monde. Est-ce que nous capons l'église pour l'église mettre tout le monde comme un peu grand ça, du qui ça que le monde sensible, pour là que tout le monde dans le monde sensible là, quand tout le monde dans fait noir, tout le monde pas qu'à gagner conscience
Si pasteur a dit que nous fermons l'antifé, nous fermons l'antifé. Si pasteur a dit que nous. Bon, ça c'est le système de zombification. Ça veut dire l'église zombifie le monde. Regardez l'église catholique. Nous avons concordé avec le concordat de Damien. En 1860, nous avons fait ensemble avec l'église catholique pour aider les gens qui sont dans la rue. Tout bâtiment, nous, ouais, l'église catholique ou bien l'école qui est là, c'est pour l'État. Et l'État nomme les gens qui font l'école, nous sommes dans l'école congrégation. Quitte Regina, quitte McCluny, primaire, tout primaire, c'est l'État qui nomme les professeurs. Je dis à qui ça l'État fait. L'État là, il y a un bâtiment, mais nous qui fondation Vincent, c'est le président Seigneur Vincent qui était construit pour les dominés et les pauvres. Je dis à mon église catholique, pour 50 000 gouttes pour tout le monde apprendre le métier, fondation Vincent. Est-ce que une société qui a construit ce menti? Est-ce que l'église catholique a accaparé toute sa grande société, tout ça qui revient l'état de droit, l'église catholique, et puis un jeune envie à prendre métier, il va pas prendre métier. Il faut que jeune ça vole. Parce que n'importe jeune qui va prendre métier, c'est voler la payer. Et mais je dis à nous demander, c'est pour la jeunesse qui a pris le camper, c'est pour nous aller, nous côté que les fondations Vincent, fondation Vincent, c'est pour nous. C'est pour ça, Seigneur Vincent, c'est pour tout le monde qui va capable. L'école là qui est de l'un, c'est pour ta grande femme. C'est les gens qui font moins de 8, moins de 9, moins de 10, fait classe par qu'on est. Mais ça, c'est des dérives. Ça, la justice dit. Ça, la mairie dit. Est-ce que nous, quand la Fondation Vincent, nous avons payé pour que nous avons payé 5 000 gouttes, 50 000 gouttes pour nos métiers? Je dis à moi-même, monsieur, je ne veux pas aller plus loin. Mais ça, ça me dit, Haïti n'a pas gagné l'État. Haïti, c'est un pays qui vit. Tout le monde, à l'ordinaire, nous avons dit son État, la loi n'a pas existé. Moi, action pas. Les m'a regardé sur Facebook, ça qui passe toujours. Je suis indigné pour un pasteur, en prend plaisir, puis pour un dalle fidèle. Je me dis fidèle, mais je ne veux pas employer les thèmes là, je ne veux pas dire aux zombies, pour prendre un mené mourir, canarin. Côté que pasteur, qu'on n'est pas de canarin en Haïti. Ok, pasteur, Aimene, pasteur Marco, c'est un méchant. Pasteur Marco, c'est un nèg qui toujours prend plaisir à faire. Fidèle, ce sont des bagailles qui pas bon du tout. Côté que pasteur Marco, c'est un nèg qui te connaît à plaver pieille. Abdou Fidèle, au brey. Côté que y a une guérison. Pasteur Marco, c'est un nèg qui a dit mounio. Boui wash, brey. Mais il a guéri tel bagaille. Ou un nèg ça, son nèg qui gagne. Qui joue à esprit satanique, là, il a besoin de jouer. Il vient jouer sur Mounio. C'est de même. Ça qui s'est passé dernièrement ensemble avec l'autre pasteur qui était fait Mounio pour la rue, tout est blanc. Quand on a chaque 24 juillet, qui s'est fait au goût, fait plein de noms, fait Saint-Jean-Baptiste, c'est Jacques Majer. Moi, j'ai toujours pris pour Mounio mener la rue dans ce coup ça. Et l'année dernière, il était mis en blé rouge, qui c'est Grégory. Ou alors je ne peux pas blanc. Ce sont des nègres qui besoin en fait gage au passé, ils fait comme ça sous fidèle. Et sous dans le fidèle tout, qui c'est un dans zombie, n'importe individu, n'importe malandré, café ou marché géoflé, c'est ça qui fait là. Rappelez-nous, ce qui s'est passé dernièrement, quand on a pris un dalle prêtre, un dalle religieux. Nous, c'est ça l'église catholique fait. Nous, comme nous, je t'ai prié. Je t'ai ouvert l'église pendant toute journée. Toute paix est venue, j'ai pu venir. Pour venir, frapper dans des bandits. Mais nous, pas qu'à dire que nous sommes bois, pour qui est, pour un set de bois, pour dire que nous sommes bandits. Comme la police, pas qu'à dire que nous sommes bandits. Et puis c'est. Moun sa yo, qui a dit que nous sommes bandits. Plutôt que je te dis, prends la Bible là. Campé dans la ria, campé dans l'église là, on nous prie, on nous prie coup de bandit, on nous prie coup de malandré, mais nous menons nous dans la bouche à Lyon. Et nous, ça, les bandits ont fait, ils ont quitté toi, ils ont dit, ils n'ont pas fait rien, ils ont plagué. Parce qu'ils ont dit, ok, ma quoi sont malandrés, nous devons les jeter, des fois pas qu'ils. Mais, la justice pose condamner Mouché. Parce que c'est Mouché qui assassiné Dita Mounio, Katéa Mounio, lui qui fait Mounio, fait femme à Mounio, crier dans le moment ça. On va aller l'autre pays ça. L'autre pays ça va gagner l'autre peuple là encore. Parce que le peuple là qui est dans l'autre déjà.
Ouais, pito. Il y a beaucoup de soulèvements dans le pays, oui. Où est le soulèvement fait là? Ce n'est pas qu'un leader politique qui dit que nous prenons la rue. C'est Mounio qui a dit que l'école n'a pas supposé ouvrir au septembre. C'est Mounio qui a dit que nous désirons faire 100 gouttes. C'est Mounio qui a dit que si gloss sur la comme il fait. C'est Mounio qui a dit que. Et puis les Mounio, comment dollar l'autre jour là, après manifestation, dollar, t'es tout de moto, oui. Parce que le pays n'a pas besoin de l'autre dans le moment, nous n'avons pas besoin de l'autre. Le pays a ses consciences pour nous sortir à côté de là. Mais si nous avons des leaders politiques, ou besoin de l'autre pays, nous regrettons ça parce que nous n'avons pas besoin de marcher dans la logique de l'autre pays encore. Le pays n'a pas besoin de l'autre. Jusqu'à présent, pas une autorité qui n'a jamais dit rien pendant que nous massacre là, même les gens qui ont massacré tout, pas de gens qui ont jamais dit rien, pas de gens qui ont dit rien, mais juste ne pas jamais répéter un mot sur les gens qui ont perdu la vie à eux, qui ont fait la vie à eux, et les gens qui ont passé ma foi là, qui ont massacré pas de gens qui ont dit rien, c'est qui ça vous pensez? Non! Depuis l'autre jour, Emily Prophète l'a dit, tout le monde c'est. Quand on peut marquer les bandits, il faut que les gens ne soient pas supposés prendre la rue, non? Si les gens, même la délégation kenyane qui est venue, ou c'est difficile de protéger, c'est la police pour qu'ils marquent les bandits. Il faut que la population, pas quitter les gens qui mettent des faux pour mourir. Tout le monde est là, à 6h du soir, rentrer à 5h de l'après-midi. Pas qu'un malandré pire pour faire 10 points sous. C'est ça. Moune qui mouille pas de prestant, c'est frère, c'est seul que nous pas capable de dire pour Djapouyo, mais la seule chose, Pasteur Mako mérite une leçon. Pasteur Mako mérite pour arrêter Pasteur Mako. Pour Pasteur Mako et dédommager famille à Mounsa qui est victime là.